Hier soir, durant les vigiles, je rappelais combien il était important que nous soyons présents pour fêter ces grands événements. La Théophanie fait partie des 12 grandes fêtes majeures dans la tradition orthodoxe. Elle est connue aussi dans la tradition catholique. Elle a moins d'ampleur que l'Épiphanie, par exemple, pour les rois mages. Nous avons cette tradition-là aussi, mais la Théophanie est aujourd'hui, plus que jamais, une fête importante. D'abord, c'est le début du ministère de notre Seigneur. Jusque-là, il y a dans l'Évangile rien qui signale une activité. Ce baptême du Christ, ce baptême qu'il demande pour s'identifier à notre humanité, parce que c'est cela dont il s'agit. Lorsque Jean-Baptiste le voit venir, vous l'avez entendu dans les prières, Jean-Baptiste dit, mais c'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt moi qui devrais me faire baptiser par toi, parce que Jean-Baptiste, c'est son cousin, et il sait qui il est. Et pourtant, le Christ, il a cette parole, il faut que cela se fasse comme ça, pour que la justice de Dieu puisse se manifester. Je traduis, c'est pas exactement comme ça que cela est dit, mais c'est quand même quelque chose comme ça. Et donc, Jean le Baptiste accepte de le baptiser. Le Christ rentre dans les eaux comme un pécheur, c'est-à-dire lui qui est pur, lui qui est immaculé, lui qui est sans péché, décide par cet acte de montrer qu'il n'a pas seulement un corps, mais que c'est toute l'humanité qui est en lui. Il s'identifie à cette humanité. Il se fait le dernier des pécheurs avec nous. Il se fait le plus petit. Et il rentre dans les eaux pour recevoir ce baptême, qui est un baptême de purification. C'est le baptême de Jean qui disait que « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais vient celui qui va vous baptiser dans l'esprit. » Le Christ rentre dans les eaux, se fait baptiser. Il courbe la tête. Humblement, on voit ça sur les images pieuses. Et il se passe un événement que Jean-Baptiste voit. Il y a la manifestation de la Trinité, la voix du Père. Nous l'avons entendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toutes mes complaisances, ou pourrait-on dire, c'est un autre mot qui a été donné là. Et puis, il y a cette colombe, cet esprit qui se manifeste sous la forme d'une colombe. Et puis, il y a le Verbe qui est dans l'eau. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Cette manifestation de la Trinité est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Mais vous imaginez, dans les eaux du Jourdain, cette théophanie sanctifie tous les eaux de la terre. C'est ce que nous avons reproduit là, ce matin. Il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a une sanctification, il y a une purification. Il y a un don de Dieu qui est donné. Et je vous le rappelais hier soir, l'eau est précieuse. Voyez ce que nous faisons de l'eau. Il y a des régions où il n'y a pas d'eau, où il n'y a plus d'eau, où l'eau est polluée, parce que nous sommes capables de polluer les eaux à grande profondeur dans les nappes phréatiques pour nos activités industrielles. Et puis l'eau est devenue maintenant la possession d'organismes privés. Cette eau qui est un bien commun à toute l'humanité, aujourd'hui, eh bien, entre dans les mains de sociétés privées qui se l'accaparent et qui nous la font payer. Nous avons perdu ce que c'était vraiment cette eau précieuse. Avec cette eau, on se lave. Avec cette eau, on boit. On sait que boire, ça nous purifie. Et plus l'eau est précieuse, plus l'eau est pure, plus elle est une bénédiction. Imaginons l'alchimie extraordinaire de cette eau qui passe à travers tous les éléments, les couches de la terre venues du ciel, et donner cette eau comme celle que nous avons ici qui est pure. C'est un miracle. Elle n'est pas seulement pure, mais elle a des propriétés de guérison. Notre Saint-Père Tugdual
donnait de cette eau à boire aux gens qui venaient les voir en disant « Allez, priez et buvez de cette eau comme si vous receviez nous de guérison. » Voilà pourquoi nous avons aussi fait construire cette fontaine. Il y a plein de gens qui viennent au robinet, là, chercher de l'eau, et nous sommes heureux. Ils en viennent partout. On est ravis de pouvoir faire partager cette eau. Mais nous avons fait construire cette petite fontaine avec une vierge noire pour montrer que c'est une eau miraculeuse. Encore faut-il avoir la foi pour cela. Tout à l'heure, vous avez reçu cette bénédiction. Vous allez emporter de cette eau. Est-ce que vous allez la boire avec foi? Autrement dit, avec la certitude qu'elle purifie, qu'elle nous purifie de l'intérieur, qu'elle purifie notre âme aussi, pour peu que nous le désirions, évidemment. On recommande de la répandre dans les lieux et qu'elle purifie les lieux. Mais nous, sur le plan spirituel, est-ce que nous la buvons en demandant « Seigneur, purifie mon âme ?» C'est surtout ça dont il s'agit. Voilà une eau qui, non seulement est une eau qui nous est absolument indispensable pour notre vie, mais voilà aussi qu'elle est indispensable pour notre vie spirituelle. Et puis, en recevant cette bénédiction, cela ravive en nous ce baptême dans lequel nous avons reçu. Nous sommes une créature nouvelle. Créature nouvelle souvent qui tarde à se manifester, qui tarde sur le chemin de notre vie spirituelle à véritablement nous renouveler. Tant nous sommes attachés encore aux habitudes du vieil Adam. Et pourtant, ce nouvel Adam, il est en nous, parce que nous sommes en Christ. Par le baptême, nous sommes unis au Christ qui est ce nouvel Adam et qui nous donne une vie nouvelle. Nous sommes des fils et des filles de lumière déjà. Et tous ces rites que nous célébrons, et je vous l'ai déjà dit, qui correspondent souvent, parce que nos pères avaient cette connaissance, mais nous l'avons perdue depuis longtemps. Il y avait des liens cosmotelluriques en même temps. C'est ce que nous racontent encore tous les mégalithes ici et là. Et les études montrent effectivement que nos pères, nos ancêtres, avaient une connaissance cosmique extraordinaire. Astronomique, pourrait-on dire. Chaque fois que nous célébrons une fête comme celle-ci, grande est la bénédiction que nous recevons. Mais encore une fois, faut-il que notre cœur soit ouvert à ces réalités-là. Que nous ne soyons pas seulement des spectateurs qui venons ici par habitude. Alors je sais quand même que vous ne venez pas ici par habitude, que c'est plus que ça. Mais il nous faut demander la grâce de l'Esprit-Saint pour que notre conscience grandisse sur le mystère de ces fêtes, que nous ne soyons pas des acteurs extérieurs, mais à l'intérieur. Jean-Baptiste entend cette voix où le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toutes mes complaisances ». C'est de nous dont il s'agit aujourd'hui. C'est comme si nous descendions avec le Christ, nous étions descendus avec le Christ dans le Jourdain, et que la voix du Père retentissait pour chacun d'entre nous. Nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés, en qui il met toutes ses complaisances, en qui il accorde tous ses dons, pour que nous puissions manifester sa gloire, que nous puissions témoigner de cela au monde. Il n'y a pas de chose plus urgente aujourd'hui que nous, chrétiens, nous manifestions justement ces mystères de foi. Ou alors nous sommes comme tout le monde. Nous venons ici, mais ça ne change rien à nos vies. Nous sommes dans un monde, il y a une urgence, nous le disons souvent ici. Ce monde ne peut pas être sauvé autrement que par l'amour. Ce monde ne peut pas être sauvé autrement que par l'amour. Mais l'amour, quand on parle de Dieu ou quand on parle de l'amour, ce n'est pas seulement des sentiments humains, passionnels. Il faut que cet amour divin passe en nous.
qu'il passe en nous, qu'il devienne vivant en nous, qu'il nous transfigure, qu'il nous transforme. Souvenez-vous ce que dit dans les Actes des Apôtres à propos des chrétiens, des premiers chrétiens. On disait « Voyez comme ils s'aiment ». Nous sommes appelés à devenir tous, sans exception, des saints. Et oui, on admire Mère Teresa, on admire Sainte Thérèse de Lisieux, on admire tous ces saints que nous célébrons et dont nous lisons la vie tous les jours. Le mot « saint », ça veut dire « mis à part de l'esprit du monde ». Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien aujourd'hui ? C'est pas seulement celui qui prie, c'est pas seulement celui qui veut sauver son âme, c'est celui qui a conscience, comme l'eau que nous célébrons aujourd'hui, que nous devons respecter toutes les lois divines qui sont inscrites dans les lois de la nature. Que nous soyons respectueux de toutes les énergies qui sont à notre disposition et que nous rendons grâce parce que c'est un bien qui vient de Dieu. Ce lieu qui est, c'est un mot moderne, un écocide sacré. C'est des mots nouveaux qui nous permettent de prendre conscience. Mais c'est vrai que, illuminé par cet amour intérieur, par une conscience purifiée, notre regard sur les êtres et les choses sera totalement différent. En tant que scientifique, nous n'aurons pas du tout la même démarche. Quelles que soient les activités que nous aurons à exercer selon nos capacités, selon nos dons, nous les ferons totalement différemment. Parce que nous ne le ferons plus dans la passion, nous ne les ferons plus dans nos intérêts personnels, nous ne les ferons plus avec cet esprit de toute puissance qui nous habite, nous les ferons dans le service et dans l'amour. Que cette planète sorte de ce cycle infernal dans lequel elle est tombée parce que nous sommes en train de la détruire et nous nous détruisons nous-mêmes. Est-ce que nous décidons par ce chemin intérieur à accéder à cette sainteté et faire de nous des acteurs vivants, des acteurs positifs à travers lesquels la grâce de Dieu pourra régénérer et guérir tous les cœurs. Nous ne pouvons pas nous permettre de simplement dire « oui, je suis chrétien et oui, j'essaye de... » Il y a là un appel à une vocation qui dépasse de très loin ce que nous croyons. Et notre communauté a beaucoup de chemin aussi à faire. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un jour béni. Vous allez remporter chez vous de cette eau sainte. Vous allez en répandre dans votre maison pour la bénir. Vous allez la boire. Mais demandez vraiment au Seigneur que cette parole qui a retenti et que Jean-Baptiste a entendue, elle soit vraiment une réalité. Et que dans notre cœur, nous puissions entendre cette voix de Dieu le Père nous dire « Tu es mon fils ou tu es ma fille bien-aimée, en qui je mets toutes mes complaisances. » Et pourrait-on dire « En qui je mets toutes mes espérances pour un monde nouveau ?»